Aujourd'hui, je te propose un entraînement complet avec petit matériel. C'est parti! Avant de te présenter le protocole d'aujourd'hui, je t'invite bien évidemment à rejoindre ma liste privée pour pouvoir recevoir chaque semaine les emails qui peuvent te sauver la vie. Ce sont des emails avec du contenu exclusif sur le Krav Maga, la philosophie du Krav Maga, la théorie du Krav Maga, et j'aborde dedans la tactique, la technique, le physique et le mental. Pour pouvoir rejoindre cette liste email, tu as le lien sous la vidéo. Je te présente le protocole d'aujourd'hui, c'est un intervalle training, 30 secondes de travail, 30 secondes de repos, 5 exercices, 3 rounds, 15 minutes au total. Ok ? Évidemment, avant de faire cet entraînement, je te propose de t'échauffer. Alors, tu pourras retrouver sur la chaîne YouTube des exemples d'échauffement. Si tu es déjà dans un club, tu dois avoir des idées pour t'échauffer. Si tu n'as pas d'idée, eh bien, essaye quand même de t'échauffer un petit peu. Tu fais un peu de shadow, tu fais un peu de course sur place, tu lèves un petit peu le rythme cardiovasculaire avant de commencer l'entraînement. Et si tu ne veux pas t'échauffer, eh bien, dans ce cas, je te conseille de faire le premier round avec un faible nombre de répétitions et vraiment en prenant ton temps pour faire un espèce d'échauffement actif. Alors, le premier exercice qui va durer donc 30 secondes, c'est un exercice de tirage à l'élastique. Donc pour cet entraînement, tu as besoin d'un élastique. J'avais fait une vidéo qui présentait les élastiques et les différentes formes d'élastiques, etc. Je te conseille de la regarder pour pouvoir avoir une idée de ce qui existe dessus. Tu prends l'élastique qui te convient et on va travailler les tirages. Tu es allongé sur les jambes, tu es allongé sur les fesses. Tu mets l'élastique autour des pieds. Fais attention de ne pas le mettre trop haut pour pas que l'élastique revienne en plein dans ta tête. Tu attrapes les deux sangles et le dos bien droit, tu vas venir tirer dans l'axe et revenir droit. Tirer dans l'axe et revenir droit. Je te rappelle que tu dois contrôler absolument ton mouvement pour ne pas tirer et utiliser l'élastique pour revenir. Je te rappelle également que tu dois garder le dos droit, donc pas emmener ton dos vers l'avant et tirer ton dos vers l'arrière, donc pour ne pas utiliser ton dos, mais pour bien utiliser tes dorsaux pour cet exercice. Encore une fois, les exercices de tirage, c'est vraiment très important parce qu'on a peu l'occasion de les travailler et ils sont très utiles dans notre mouvement de Krav Maga. Ça, c'est le premier exercice. Une fois que tu as fini les 30 secondes de pause et tu te prépares au deuxième exercice, c'est du shadow pied-point. Donc, tu peux l'utiliser comme récupération active et tu peux aussi l'utiliser comme exercice physique où tu vas envoyer pleine bourre dans le vide pendant 30 secondes. Donc, moi, je te demande de faire du pied-point. Maintenant, si jamais tu es un peu débutant en Krav Maga et tu connais que quelques frappes, ben, utilise ces frappes. Si tu es bien plus avancé, n'hésite pas à utiliser les coups de pied haut, les coups de pied bas, les coups de pied retournés, enfin tout l'arsenal de Krav Maga que tu connais. Tu as 30 secondes non-stop là-dessus. Troisième exercice, on va faire des deadlifts aux élastiques. Donc, tu vas marcher sur l'élastique pour pouvoir bloquer l'élastique. Tu vas descendre au niveau des hanches, fléchir légèrement tes genoux, garder ton dos droit, saisir l'élastique à deux mains. Et une fois que tu as les bras tendus, tu vas venir te redresser avec le dos bien droit. Attention de ne pas fléchir le dos. Attention de bien gainer ici au niveau du ventre et au niveau des fesses. Okay ? Une fois que tu es en position droite, tu vas venir relâcher les jambes, relâcher et revenir droit avec toujours le regard droit vers l'avant. On a fini ce troisième exercice, on repart sur une série de shadow pied-point pour se relâcher ou pour retravailler pleine bourre en fonction de ta condition physique et en fonction de ton ressenti sur cet entraînement. Et on finit par le cinquième exercice qui est de la presse aux élastiques. Tu mets tes pieds dans l'élastique, tu attrapes l'élastique ici qui passe devant tes mains et pareil que le deadlift avec les fesses bien serrées, avec le ventre bien serré, tu vas venir pousser vers le plafond en essayant de mettre tes biceps au niveau de tes oreilles, voire légèrement en arrière de tes oreilles. C'est-à-dire que si je me mets sur le côté, de ne pas avoir les biceps vers l'avant parce qu'il va y avoir beaucoup de traction sur les épaules, mais de bien pousser dans l'axe. Tu vois bien que ma tête est légèrement en avant de mes biceps. Okay ? Et revenir tout droit avec contrôle pour repousser vers le bas, pour repousser vers le haut. Donc, la résistance de l'élastique, eh bien, elle est en fonction de ta condition physique. Si c'est trop facile avec cet élastique, eh bien, prends un élastique plus dur. Et même en fonction des exercices, tu peux varier l'élastique. Allez, c'est parti pour l'entraînement. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Voilà, on a terminé cet entraînement. Je te félicite, tu as bien travaillé. C'est important de tenir cette régularité, de ne pas lâcher, de s'entraîner chaque semaine sans lâcher. Vraiment très très important. Si tu as besoin d'élastique, eh bien je te mettrai la référence des élastiques que j'utilise dans la description de la vidéo. Tu trouveras le lien ci-dessous. Si tu as envie que je t'accompagne, eh bien j'ai un programme spécial avec petit matériel. Donc c'est les élastiques, mais c'est aussi les sangles de suspension, c'est aussi un bouclier que tu peux avoir chez toi. Donc c'est vraiment du matériel où tu peux, un, t'entraîner seul et deux, progresser encore plus qu'avec le poids de corps. Et l'objectif de cet entraînement, c'est encore une fois de te proposer 4 entraînements par semaine pendant 12 semaines pour que tu puisses passer au niveau supérieur, pour que tu puisses être en super forme, pour que tu puisses améliorer tes compétences même si tu as déjà un club de Krav Maga ou même si tu t'entraînes déjà avec un autre sport de combat. Tu peux retrouver le lien pour accéder à ce programme dans la description sous la vidéo. Je te retrouve très bientôt et je compte sur toi pour partager, liker et commenter la vidéo. À très vite.